Bonjour Granny. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Hi, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin une nouvelle vidéo sur Granny chapitre 1, puisqu'il y a eu une énorme mise à jour. Dernièrement il y avait déjà une énorme mise à jour, mais là elle est encore plus énorme puisqu'il y a une toute nouvelle zone, un nouveau monstre complètement effrayant. Je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu dans tous les Granny en fait, hein. Et une nouvelle sortie par les égouts. On va découvrir ça aujourd'hui, c'est énorme. Vous avez été très 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 nombreux à me dire qu'il y avait cette mise à jour. Vous allez voir, c'est génial et très effrayant. Je vais avoir des frissons toute la vidéo, donc préparez-vous. Avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Mylène Farmer. Je vous en ai déjà parlé, j'adore cet artiste depuis des années. Et enfin, son nouvel album est sorti. Il s'appelle L'Emprise et il est génial, j'adore. C'est vraiment original, c'est une renaissance un peu, comme à chaque album de Mylène Farmer. Elle sait se réinventer. Oui, c'est bien elle, enfin, c'est plutôt sa version avatar, à mon avis, modélisée en 3D, comme dans clip qu'on a déjà vu. J'adore à tout jamais, bien sûr, hein, c'est le nom du clip. Voici l'album L'Emprise, il est là. Là c'est la version vinyle normale. Regardez, quand on ouvre à l'intérieur, on a, ouh, ça glisse, bonjour, on a Mylène en version Android, comme ceci, version du futur. Il y a deux vinyles, hein, c'est bien, ça tient sur deux vinyles parce qu'il y a beaucoup de chansons et l'album est très long. C'est un de ses plus longs, si ce n'est le plus long de sa carrière. À l'arrière, vous avez vu, c'est très sobre, hein, rouge et avec des écritures en noir. Ça c'est le vinyle, mais les vinyles sont rouges. Tout à l'heure je vous les sors, rien ne change. Et ça, eh bien c'est l'album collector, c'est le CD, mais en version grand livre cartonné, comme ceci, où on retrouve encore cette illustration. Et quand on tourne ici, on a un livret comme ceci, que je vais vous montrer, et le CD tout rouge avec un petit peu de brillant comme ça, très joli. Alors je vais vous montrer bien sûr le livret de l'édition collector. Hop, je sors. Oh. Voici le livret, très 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 jolie illustration, j'adore. Et nous avons en fait plein de photos, enfin plusieurs photos, des animations, des modèles en 3D et les paroles des chansons. Toutes les chansons ont leurs paroles dans ce livret et ça c'est cool. Je vous montre brièvement, voici Mylène, coucou, voici du chrome, un peu comme dans Fortnite. Et bah écoutez, c'est très sympathique, hein. C'est un objet de collection. Ça c'était le truc qui était, vous savez, le bandeau qui était à l'extérieur. Je garde tout bien évidemment. Je vais vous sortir les vinyles rouges parce qu'ils sont très très beaux. Alors sur les éditions vinyles, sur les pochettes, enfin les sous-pochettes, vous avez également les paroles, hein. Toutes les paroles sont écrites ici. À l'arrière, une illustration et le vinyle, le voici. Alors il est rouge translucide. J'avais cru voir des images de vinyle rouge opaque. Je sais pas s'il y a différents modèles, hein, en fonction de la fabrication. Moi j'ai eu le modèle translucide que je trouve très joli, comme ceci. Regardez, ouh, j'aime beaucoup. C'est brillant, c'est transparent à la lumière. Regardez, waouh, j'adore. La qualité du son est vraiment très bonne. En même temps, ça tient sur deux disques, donc il y a de la place, hein. Vous savez, plus il y a de chansons sur un vinyle, et plus c'est compressé, et plus le son est moins bon. En fait, plus le son est moins bon, moins le son est bon. Et donc, c'est cool. Je vous montre les vinyles noirs quand même. L'autre sous-pochette, eh bien, contient cette photo-là. Et voici le vinyle noir, bien sûr, avec l'autocollant rouge comme ceci. C'est très joli aussi, hein, noir comme ceci. Voilà, ça c'est le vinyle classique. L'autre, il est un petit peu limité. Mais en tout cas, l'album est dispo en CD, en digital, en vinyle, en collector. Donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez Mylène Farmer, une artiste vraiment dingue, comme on n'en fait plus aujourd'hui, eh bien allez-y, hein. Il vient de sortir, il est génial. Je suis fan absolu. Et je vais la voir en concert l'année prochaine en juillet, donc j'ai hâte. Et maintenant, back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Énorme merci pour tous vos commentaires. Il est l'heure de lire mon premier commentaire d'une vidéo précédente. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Les commentaires viennent de cette vidéo. C'était la vidéo sur Smile X Corp 3, le troisième chapitre de la saga Smiling X Corp. Et dans la vidéo, je vous montrais que j'étais dans le jeu. Oui. Le premier commentaire vient de Ziggy qui me dit: salut Max, le chapitre est trop bien, ça fait du bien de te regarder après les cours. Sinon tu veux quoi pour Noël? Moi je veux avoir des peluches FNAF, que j'adore les peluches, hein. Sinon cœur sur toi et hâte que Maggie revienne.
Merci pour ton commentaire. Maggie, bah on verra peut-être l'été prochain, je ne sais pas, ou peut-être pendant les vacances de Noël, j'en sais rien du tout. En tout cas pour Noël, oh, j'ai demandé des trucs assez basiques que je demande d'habitude. Ma liste au Père Noël est composée de vinyles, de jeux vidéo, d'objets un peu high-tech, des bracelets pour l'Apple Watch, tout ça, voilà. On verra bien ce que le Papa Noël va m'apporter. Et concernant tes peluches FNAF, attention qu'elles ne se mettent pas à bouger pendant la nuit parce que ça fait peur. Le deuxième commentaire vient de Max10 qui me dit: Max, j'ai trois trucs à te dire. D'abord, Mob Games, les développeurs de Poppy Playtime, vont sortir un nouveau jeu Project Playtime le 6 décembre. Puis il y a pas longtemps, Granien a une nouvelle mise à jour. Et pour finir, Keplerians ont sorti un nouveau jeu Witchcry. Merci pour ton commentaire et tes trois questions précisions. Alors oui, le nouveau Poppy Playtime, ça va être un jeu en multi qui sort le 6 décembre. Évidemment, je le testerai, ça va de soi, hein, évidemment. J'avais même reçu une lettre spéciale qui annonçait un peu tout ça, je vous l'avais montré, directement venue de Playtime & Co, l'usine de Guy, hein. Le deuxième point concerne la mise à jour Granny, vous avez vraiment été nombreux à me demander de la faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et le troisième point, c'est Witchcry, le nouveau jeu, c'est pas Keplerians qui a développé, mais c'est Keplerians qui distribue ce jeu. Et bien, je l'ai tourné, et ça arrive dans la prochaine vidéo. Oui. Et le troisième commentaire vient de Cédric Mangin qui me dit: salut Max, j'espère que tu vas bien, j'ai une question à te poser. Tu pourrais faire Little Nightmares 2 s'il te plaît, t'es vraiment le meilleur. J'ai aussi une autre question, as-tu déjà pris le train? T'es le meilleur, Max Family. Merci pour ton commentaire. La question sur le train, c'est parce que j'avais mis le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'était train. Oui, j'ai déjà pris le train plein de fois et j'adore, hein, le train, c'est vraiment ce que je préfère par rapport à l'avion, on va dire. Et concernant ta deuxième question, enfin ta première question sur Little Nightmares 2, souvenez-vous, l'été dernier j'avais fait tout le Little Nightmares 1 avec Maggie, donc peut-être que si je fais le 2 ce sera avec Maggie, donc il faudra peut-être attendre qu'elle revienne. On verra. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, je vais m'installer dans l'espace gaming pour retrouver l'ourson et surtout découvrir cette énorme mise à jour avec toutes les nouveautés dans Granny chapitre 1. Alors, suivez-moi. Ouh, ça y est, je suis assis. L'ourson aussi. Il est là, prêt à m'accompagner de retour dans Granny chapitre 1 puisqu'il y a une toute nouvelle mise à jour. On va découvrir ça avec la sortie par les égouts. Je vais essayer d'y arriver. Apparemment, ça fait très très peur. Vous m'avez prévenu. Donc, j'ai peur. J'anticipe. Donc, on y va. Je vais jouer sur PC BlueStacks. N'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut si ça vous fait plaisir de retrouver Granny et bien sûr pour me soutenir. Et dites-moi dans les commentaires, eh bien combien de vues à cette vidéo au moment où vous la regardez, hein. Vous regardez le chiffre, vous mettez dans les commentaires le chiffre et c'est tout. Voilà, merci. Suivez-moi, c'est parti, let's go. Et c'est parti. Nous voici avec l'écran d'accueil de Developer. Ouh, il y a le TD qui est là. C'est sympathique. Allez, je fais play. Oh, allez, on va jouer en mode normal, quand même, même si il y a beaucoup de nouveautés, je pense, parce que qui dit nouvelle sortie dit nouveaux objets, donc voilà. Et on a 5 jours, comme d'habitude. On y va, on se réveille ici, dans cette petite chambre qu'on commence à connaître par cœur, on aurait pu la décorer depuis le temps, hein, c'est chez nous, on est comme à la maison. Allez, on y va, on avance. Oups, on ouvre. Alors déjà, on va fouiller dans la salle de bain, qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, et on n'a rien. Oh, comme c'est dommage. Elle est déjà là, celle-ci. Quoi? C'est quoi? Il y a une nouvelle musique de peur. Ah non, je suis pas d'accord. I am not d'accord avec ceci, hein. Non. Vas-y, cache-toi là. Voilà. Je suis caché. Qu'est-ce qu'on a? Le bouton, comme d'habitude, avec quoi ici? Un bout de shotgun. Ok. Elle est là. Elle rigole. Elle a rigolé. C'est quoi en plus cette nouvelle musique là? Elle est où? Ok, elle est pas là. Là et là, eh ben on a rien. D'accord, comme ça c'est fait. Je vais aller poser le bout de shotgun, hein, écoutez. Ce sera déjà ça de fait. Je vais aller voir quand même. Non. Ouh là 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 là. J'ai fait du bruit. Je vais aller par là, hein, merci. Ah. On va placer le bout de shotgun, ça sera déjà fait. Et comme ça on sera bien content. Voilà. C'est quoi ça? C'est... Il n'y avait pas ça avant. Il n'y a pas une grille là. Oh! Deuxième bout de shotgun. Merci. Merci la vie. Oh, il m'en manquera plus qu'un. Allez hop, je vais le placer, hein. Voilà, voilà. Pouf. Merci. Non, tu me vois pas. Qu'est-ce qu'elle me veut? J'ai peur. Parce que là j'ai fait du bruit, donc elle est là. Mais vilaine. Bon, attendez, c'est quoi ça? Oh, un bout de photo. Bah allez, on va le placer, hein. Ça mange pas de pain. Pouf. Voilà, voilà. On va passer par là, hein. Allez, salut. Qu'est-ce qu'on a? Toujours le même mot. Hein?
Ceci, mon cinquième jour dans cette maison. J'ai l'impression que ça a changé par rapport au tout début, le mot. Je sais pas, j'ai l'impression. Il était moins long. Qu'est-ce qu'on a ici? Le plan de la guillotine. On a rien. D'accord. Là, on a toujours ça. Un. C'est quoi, un? Pourquoi il y a un? C'est bizarre, non? Bon, attendez. Je vais la tirer là. Youhou! Regarde, je joue avec ta guillotine. Schlack! Youhou! Oh, elle est cette... Ouais, elle est là. Attention. Ok, elle est sortie. Non! Elle m'a fait une feinte. Tiens, le livre d'Angelaine. Si on allait le... Ouh! Il y a un piège! J'ai failli me faire piéger! Ya boui boui! Je peux passer par là? Ok. Allez, vite! Je vais placer ça là. Ok, go. Cache-toi là. Je suis caché! Elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Eh ben non! J'ai mis le livre et tu m'as pas vu. Voilà, va-t'en. C'est ça. Bien. On attend un peu. Parce qu'à mon avis, le sol va grincer. Ok. Elle est tombée. Ouais, elle est tombée. Oh, une télécommande. Ok, je l'ai. Merci. J'ai peur. Oula. Elle a mis un piège. Ah oui, vous vous souvenez, il y avait ça. Ah, ah. Elle est là. Maman. Ah. Mais regarde, il y a Angelaine. Qu'est-ce qu'elle fait, Angelaine? Oh, Angelaine, t'essaies de sortir ou quoi? Tu vas où? Vilaine. Regardez, on dirait une araignée. Ah. Oh. Mais occupe-toi de ta maman. Elle lui marche dessus. Ça se fait trop pas. Bon, je vais aller ouvrir ça. Je vais prendre le gaz, là. Ça suffit. Ça suffit. Bip, 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 bip. Ok, ok, ok. Vas-y. Vas-y, viens. Viens, 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 viens. Y'a quoi? Y'a quoi? Pchit. Ah, ah, ah. Allez, hop, salut, bye. J'ai cru qu'elle allait m'avoir. Mais j'ai fait plein de bruit. Oh, non. Qu'est-ce que c'est? Elle a laissé tomber une clé. Une clé? Une clé de l'araignée? Mais c'est bizarre. Vous m'avez dit que le nouvel accès, c'était les égouts. On va pas aller en haut. On va peut-être pas passer par là. Oh, fais des grincements. On va passer par là plutôt, hein. Voilà, voilà, voilà. On va descendre. Attendez, les égouts, les égouts, les égouts. C'est les égouts. C'est en bas, normalement, les égouts. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle étagère? Bon, écoutez, je garde la clé pour l'instant. Je ne sais pas du tout quoi en faire. On va fouiller. Je vais passer par là plutôt parce que j'ai pas envie de faire gling gling. Qu'est-ce qu'on a ici? Tic 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 tic. Oh, le code. Bah oui, mais nous on veut pas sortir par le code. Ok, on a ça, c'est intéressant. C'est quoi cette trappe? Oh. D'accord, merci. Bah écoutez, je ne vais pas y aller pour l'instant parce que je sais pas ce qu'il y a là-dessous, moi, hein. Vu que j'ai ça. Quoi? Et derrière moi, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Je vais faire ça, j'ai peut-être le temps, non? Tac. J'ai le temps, non? J'ai pas le temps! J'ai pas le temps, non? Je suis pas là, hein, t'as vu? Ok, c'est bon. Ok. Je suis pas là, j'ai dit! Mais... Elle est buggée ou quoi? Elle ouvre la porte, elle ferme la porte, elle ouvre la porte, elle ferme la porte... Eh, buggy. T'as pété un câble, Granny? Bah oui! Bah oui, bah non! Voilà! Allez, on va aller fouiller la cuisine. Je pense que j'ai un tout petit peu de temps. Là, on a rien, là, on a rien. Là, on a rien. Là, j'ai pas vu. C'est quoi? Quoi? Un coupeur de chaîne? Un coupe-chaîne-chaîne? Attendez. Ça, c'est un objet nouveau, non? Bah attendez, vu que c'est un objet nouveau, je vais le mettre là, près du truc. Est-ce que je peux sortir? Go! J'ai pas fait le... ça là, le pipi! Allez.
Allez. Ah, elle a ouvert la porte, mais elle est pas là. Elle nous fait une petite surprise. Coucou, je suis pas là. Tant mieux. Oh, le marteau. Très bien. Bah, écoutez, bon, casser les planches, m'en fiche un peu, parce que je veux pas sortir par la porte principale. Mais casser les planches de tout en haut, là où il y a l'araignée. Parce que là, il y a des endroits où il peut y avoir des objets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va essayer d'aller faire ça plutôt. Bon, attendez tant qu'on y est, hein. Vu qu'on passe devant. Allez hop, ding 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 ding. Nous on va en haut. Ah oui, puis aussi dans la cachette d'Angelaine. Alors attendez, d'abord ça. Parce que quand même, ça craint. Schlac, schlac, schlac. Et maintenant, je vais aller faire dans la maison d'Angelaine. Oh ah! Folle, folle que tu es. C'est bon. Voilà. Bye. Allez, on y va. Je l'ai bien eue celle-ci. Go par ici, go par là. Hop, on va casser les planches dans la maison d'Angelaine. Parce que là aussi, il peut y avoir des objets qu'on ne connaît peut-être pas, hein, et qu'on a peut-être besoin. Tac, tac, tac. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? La spéciale key. Ok. Vous croyez que j'ai le temps d'y aller? Wouhouhou! J'ai eu le temps. Elle va venir. Youp. Piloulou. Voilà. C'est très très bien pour l'instant. Hein. On s'en sort super pas mal. Est-ce que j'ai le temps d'aller... Allez hop, on va essayer. Go. Go. Ah. Voilà, merci bien. Alors, j'ai pas le steak, mais... écoutez. Au moins, c'est ouvert. Hein. Tac. Allez, on va placer la petite planche. Merci. Qu'est-ce qu'on a là? Les cutting pliers. Bah écoutez, on va aller tout de suite. Oh, c'est quoi? Bah heureusement que j'ai heureusement que j'ai fait tout ça, hein. Because nouvel objet quoi. Allez, qu'est-ce que c'est? Un wheel crank. D'accord. Oh, elle est là. Ah ouais, le tournevis. Peut-être qu'il y a une clé dans le truc là, on en a besoin peut-être. Alors attendez, il me faut la clé de weapon. La clé weapon, la clé weapon, hein, il me faut. Là, y a rien, là, y a rien. Bon, alors, je vais poser ça là-bas. Et je vais aller voir dans les égouts. Tac. Voilà. Allez, on va aller voir dans les égouts. Pouf. Comme ceci. Alors. Tic. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'à chaque fois, ça fait bobo, hein, quand même. Ça fait bobo. Bobo, bobo, bobo. Ça fait bobo. Bon, bon, bon. Bah, en fait... Oh, encore une autre... C'est nouveau, ça. Je suis désolé. Ah, mais oui, là. Là, j'ai pas vu, là. La gasoline. Je sais pas si c'est bien utile. Oh, en toute discrétion. Oh, un bout de shotgun. Go, go faire le shotgun, oui. Comme ça, on sera tranquille. On pourra faire tomber le tournevis aussi. Allez, d'abord, bien sûr, priorité à Granny. Voilà, j'ai fait du bruit volontairement. Hop, hop, shotgun, munition. Et on attend Granny. On attend qui? On attend Granny. On attend qui? On attend Gra-Gra, Nini, Granny. Youhou, il y a quelque chose ici? Non. Bon, Granny, j'ai fait plein de bruit, là. Ah, bonjour. Bonne nuit. 1 minute 30. Ok, pardon. Merci, merci de me laisser passer. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Je vais faire tomber le tournevis pour voir la clé qui se cache derrière la petite cachette. Pour ceci, je vais tirer sur la boîte. Allez, on vise bien et... Bim. Voilà. Allez, tournevis. On descend de la montagne sans cheval, hein. On n'a pas de chelave ici. Et je vais ouvrir ça. Schlac, schlac. Bim. La clé du coffre. On va aller voir ce qu'il y a dans le coffre. Et après, on ira en bas, hein. Après, on ira en bas. J'ai envie de découvrir cette nouvelle zone. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous? Bof. Allez, on va voir ce qui nous cache, ce petit corbeau. Et après, on descend, promis. Allez, hop, je me souviens plus du tout ce qu'il avait dans sa cage.
J'ai dû le voir parce que je suis passé devant. Mais il me souvient plus. Il me souvient plus. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? La Master Key. J'ai envie de dire oui, mais je m'en fiche. Donc, je la laisse là. Voilà. Et je vais aller directement là-bas. Hop, c'était par ici. Alors, ce que je vais faire, vu que à mon avis, je peux pas remonter, il n'y a pas d'échelle, je vais laisser tomber les objets là. Hop, parce que je pense que j'en aurais besoin. Pouf ! Ok, c'est bon. C'est quoi cette zone ? Oh, le wrench ! Ok. Le bruit que ça fait quand ça tombe. Qu'est-ce que c'est ? Une roue ? Un truc à eau, peut-être. Une roue à eau. Mais là aussi, il faut tomber. Bah, attendez. Hop. Voilà. Bah non. Bah non. Ah bah oui. Et on va mettre ça aussi. On sait jamais. Peut-être qu'on en aura besoin. Et à notre... Oui. Pourquoi ça? Youhou. D'accord, fallait tomber en fait, hein, tout simplement. Bien, 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 bien. On est tombé, on est là. On a les objets ici. Pourquoi? Il y a des toiles d'araignées. Je déteste les araignées. Ça me fait... J'aime pas... Faut avancer. Elles vont nous piquer ou pas? Parce que l'autre, l'araignée en haut, elle nous piquait, hein. Ah, j'aime pas, j'ai des frissons. J'ai l'impression qu'il y en a dans mon dos qui sont en train de grimper. Je n'aime pas les araignées. Bonjour, l'araignée. Bonjour, l'araignée. Oh, elles vont dans tous les sens et il y en a plein partout. Je suis dégoûté. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que... Ah! J'aime pas ça. Vas-y, va-t'en. Va-t'en, il y en a partout. Ah! D'accord, ça, c'est des raccourcis. Ah! Ouh! Ah! Ah, 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 non mais j'aime pas ça. Il y a... Ah. Non. Non. Bah non. Et c'est quoi la musique? Bah non. Bah non en fait. C'est un cauchemar pour moi. Oh c'est quoi? La Pléouski. Ah bah tiens donc. Bon attendez, vous savez quoi? Je vais la placer là-bas. Vu que de toute façon je pense que... Il n'y a que des accès par là pour aller ensuite par-ci, par-là. Donc... Oh ah. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Elle m'a attrapé, mais je pense que... Elle devait pas m'attraper là. Il y a eu un bug. Bon. Eh bien écoutez, jour numéro 2, on y va. C'est parti. On va faire... ben le jour numéro 2, hein, tout simplement. On va retourner dans les égouts. Je sais pas quelle est cette créature monstre qu'on a vue. Hein. Est-ce que j'ai envie de le savoir? Pas forcément. Pas forcément, pas forcément, mais... bah on y va, c'est parti, on redescend. Ok. Hop. Par là, oui bon, pardon la table, hein, merci, mais laisse-moi passer. Voilà, go. Hop là. Voilà. Zut. On descend. Hop là. On est de retour dans notre pire cauchemar, enfin le mien. Voilà. Ah, j'aime pas ça. Oh, mais c'est Angeline. C'est Angeline en araignée. On est d'accord. C'est chelou, hein. Oh, c'est fermé, là. Ah! Non! Ah! Oh, 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 je suis coincé. Elle peut pas venir là, rassurez-moi. Non, elle peut pas. C'est quoi, ça? J'ai besoin d'un wheel crank. Mais je l'ai, le wheel... D'accord, c'est pour enlever la grille, peut-être. Oh, elle est ignoble. Désolé, hein, Angeline, mais t'es ignoble. T'es vraiment... Ah, oh, ça me dégoûte. Ah, tu t'en vas ou pas? Parce que là, je suis un peu coincé, hein. Voilà. J'y vais doucement, je sais pas si elle m'entend. Je vais aller chercher le Wheelcrank, d'accord? Elle me dégoûte. Donc, il est là. Voilà, on va aller le placer, hein. Gentiment, gentiment. Hop. C'était à droite. Oh non, non. Oh oui, oui. C'était pas là. Mince. Mince. Oh non. J'espère que Granny n'est pas là. Ok. J'y vais. Ok. Faut absolument que je retourne là-bas. Je me suis trompé d'endroit. C'est malin. Oh, elle m'a vu. Go, go. C'est pas grave.
C'est quoi ce cri encore? Ça se fait pas, hein. Voilà, on est de retour là. Ah, dis donc, tout ça pour ça. Allez. On souffle. Tout va bien se passer. Elle me mange! Vilaine! Ça me dégoûte, ça me dégoûte! Jour numéro 3, et eh bien on y va. C'est parti. Allez. Tu te réveilles. Voilà. Hop. Et on y va. Par ici. Go. Allez, on va passer par là. Voilà. Tout droit. C'est bon. Ici. Go! Tout de suite, la musique qui change, l'ambiance et tout, c'est... On adore. Ouh là là là. Ok. Allez, on avance. Voilà. La roue, elle est là, normalement, hein, quelque part. Je me suis fait attraper là, donc... Ok. Alors, c'était où? Là, il y a ça. Là. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Ok, ça c'est fait. Je peux passer par là maintenant. Okay. On y va? Ok. Ok. Elle rôde. Elle rôde. Ok, va par là, moi je vais aller à droite. Donc tout va bien. Voilà, je peux passer, super, qu'est-ce qu'on a? On a quoi ici? Encore ça, rien. Par là, qu'est-ce qu'on a? Encore une boîte, ben dis donc. C'est un vrai labyrinthe. Un cogwheel. Ok, je le prends. Ensuite, par là. On n'a rien. Je me méfie. Il y a des araignées de partout. Par là. C'est quoi? Un ascenseur? Je peux prendre l'ascenseur? Oh, il y a un ascenseur dans Granny. Mais on va où? Ah, là? 1, 2. À mon avis, vu que j'ai vu que le 1, je vais prendre le 1. À mon avis, l'autre, il est piégé. Je sais pas. Un melon? Ok, bah alors, attendez. Voilà. Voilà. On y va. Boum. Mais tout ça, faut que je le rapporte là-bas parce que... Oh non, 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 non. Salut, 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 salut. Bye. On va attendre un peu, hein. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. Ça va, vous? Ça va, la famille, tout ça, la santé, les chips, la chèvre, tout va bien. Très bien. Ben, on y va. Voilà, voilà. Bien! Merci, vilaine. Alors, faut que j'aille déposer ça dans un endroit sûr. Je suis où, là? C'est quoi, ça? J'ai besoin d'un levier. J'ai besoin d'une padlock qui est rouillée. Chain cutter, je l'ai. Un truc pour couper les chaînes. Et là, il faut, bien sûr, un screwdriver que j'ai laissé en haut. Bon, alors, attendez. Je vais tenter d'aller... Et voilà. On va aller voir ce qu'il y a dans le melon, hein, d'accord? Ça vous va? Voilà, voilà. Je vais passer par là. En espérant que la gragra soit pas là. Parce que, hein, elle est beau. Voilà, très bien. On retourne un peu dans... Finalement, c'est fou, mais cette ambiance de maison de Granny me convient bien mieux que les égouts avec l'araignée géante. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Je suis tellement content d'être ici. Alors, là. Là, padlock key. Ok, mais elle est pas rusty. Donc, c'est pas ça. On va prendre le tournevis, hein. Parce que j'ai vu qu'on en avait besoin. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière ce petit truc. Donc, je vais récupérer le tournevis. Et on va retourner dans les égouts qu'on adore. On adore le tournevis. Non, on adore les égouts. Tournevis, il m'a rien fait. Allez, hop, je retourne. Dans les égouts, on adore. C'est par ici. C'est par là. Granny, on se méfie quand même, hein. Elle est toujours là, celle-ci, hein, malgré tout. Voilà. Et... Pouf.
Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. On se baisse et on y va. Encore faut-il que je retrouve le chemin. Ah oui, et puis il y a les cuttings, ça là. Les chain cutter. Chain cutter. Donc je crois que c'est à gauche. Je crois que c'est à gauche. Alors attendez. Coucou. Je suis pas là. Tu m'as pas vu. Tu mens. C'est faux. C'est faux, tu mens. C'est bon? Tant qu'il y a la musique, je pense que c'est pas bon. On va reculer. Finalement, je préfère les petites araignées. Hmm. Elle me dérange pas tant que ça. Je peux y aller où? Bon, oh, mais allez! Elle joue avec moi, là. Elle joue au chat et à la souris. Je suis pas une souris. C'est bon? Granny. Enfin, Angelaine. Je peux y aller? Mais c'est pas possible, hein. Ok, passe. Mais je suis pas là. Non. Ah, arrête avec cette musique. C'est bon. C'est parti. On peut y aller. Ok. Donc je crois que c'était par là. Oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais voilà. Ok. Je sais pas où c'est. Je vais où? Je vais où? C'est quoi ça? Un bout de moteur. M'en fiche. C'est tout droit en fait. C'est tout droit. Mais. Coucou! Lalalalalala. Allez hop. Allez. Elle va être énervée. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Voilà. Donc, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on a quoi? La clé du coffre. C'est une blague! Tout est mélangé! Bon bah, puisqu'il faut y aller, on y va. Hein? On va y aller tranquillement. Pas besoin de s'énerver. Voilà. Hein? Voilà. C'est là. Voilà, voilà. Je commence à me repérer un peu dans ces égouts de l'horreur. Hein? Voilà. Bien. Hop. Normalement, le coffre, il est juste là. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un bout de bois. Alors, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Sauf que là, j'ai fait du bruit. Et j'ai un peu peur. C'est bon. Le bout de bois, c'est peut-être... Ah, le levier. Attendez, je vais essayer. Boum! Voilà! Alors, on avance. Hop. Ah oui, j'ai les cuttings. Oh, j'ai toujours pas pris les chain cutter. Les chain cutter. Ça me dégoûte. Ok. Elle m'a vu, elle était pas contente. Je suis si vilain que ça pour elle. Bon, on va la laisser partir. Tant qu'il y a la musique, on n'avance pas. Il n'y a pas la musique? J'avance. Ok. Bata! Cours, mon petit Bernard! Ok. Ah, je commence à comprendre. Attendez. En fait, il faut que j'aille là et tout droit. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est à droite à un moment donné. Oui! Oui, alors est-ce que c'est ça? Yeah! Allez, on va prendre les chain cutter. Elle est juste là. Hop. Les chain cutter. Je les ai laissés à gauche, comme ça, ça sera fait. Il nous manquera plus que la clé. Et vous allez voir que la clé va être derrière les padlocks. Donc je vais aller voir récupérer le cogwheel, pardon. La pléousse, quoi. Vous m'avez compris. On peut y aller là ou pas? Ok. Ok. C'est là? Bah pas du tout. Bah pas du tout que non. C'est où? Je suis paumé. Pas aller là? J'aime pas les... Les couloirs comme ça. Ah! Oui! C'est bon, regardez. Et... Schlack! Voilà. Alors, il me manque plus qu'une clé. Bon, je vais aller chercher le cogwheel. Quand même. Je l'ai laissé là à gauche. Bien sûr, elle campe là. T'as pas le droit de camper, vilaine. J'ai l'impression qu'elle m'entend pas. Elle fait que me voir. Ok. Bah, tu me vois pas. Je crois que je l'ai laissé là, le cogwheel, non? Je sais pas du tout où je l'ai laissé.
J'ai cru qu'il était là. Où est-ce qu'il est, le Cogwheat? Je l'ai ramené? J'y vais. Ouvre. J'espère qu'il n'est pas tombé sous le... Attendez. Ou alors je l'ai laissé là. Je sais pas du tout où est-ce que je l'ai laissé, le Cogwheel. J'espère qu'il n'est pas tombé sous le... L'ascenseur. Je peux pas faire monter l'ascenseur. T'as vu? Non, je peux pas. Bon. Bah je vais tenter de voir où est Cogwheel. La la la. La la la. Voilà. Bien. Bien ma petite Thérèse. Ou alors je l'ai jeté là-bas, je sais pas. Parce que j'avais le melon et j'ai fait le melon en premier, non? J'ai jeté le Cogwheel. C'est là où elle m'a attrapé, la Granny? Ah non, c'était la Pleouski. J'ai plus du tout souvenir où est-ce que j'ai mis le... Le Cogwheel. Ça va être sympa. Je vais aller ouvrir ça, hein, déjà. Ce sera ça de fait. Il me manque une clé, hein. Il me manque la Rusty Padlock Key. Ça se trouve, elle est derrière le Cogwheel. Derrière de... Vous m'avez compris. Donc, je vais aller par là. Où est-ce que j'ai pu jeter un truc aussi? Donc, on ouvre... Voilà, on va passer par là. Peut-être jeter par là, hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Hop, j'ai pris le Cogwheel. Mais il y avait le melon en même temps. J'ai pas pu le jeter là. Est-ce que là, il y a le deuxième Cogwheel? Oui! Donc, je vais aller prendre le shotgun. Là, il n'y a rien. Là, il y a le marteau. Là, il y a la master key. J'ai aucune idée. Allez, on va prendre le shotgun, hein. C'est bon. Tac. Ouais, je vais l'endormir celle-ci. Et après j'irai ouvrir avec le shotgun, hein. Voilà. Tac. Granny. Allez, bonne nuit. Ça suffit, hein. 1 minute 30, c'est bien pour toi. Bah je vais aller ouvrir la maison d'Angelaine pour mettre un Cogwheel. Enfin, je récupère le deuxième, mais je sais pas où il est tombé. Oh, il est là. Oh, excellent, j'ai les deux Cogwheels. Alors attendez, on va faire d'abord celui qui est tombé, enfin celui qui est dans la maison d'Angelaine. Et on va faire le deuxième Cogwheel. Et ça se trouve, j'aurai la clé. Et ça se trouve, bah c'est tout quoi, j'aurai déverrouillé la sortie. Donc, on y va, on vise bien et on shoot. Merci, je jette ça, je prends ça, je prends ça, y a rien d'autre, on y va. Allez, c'est du sport ce Granny, moi je vous le dis. Je vais passer par là bien sûr. Par ici, le tunnel numéro 1. On se lève. On va au tunnel numéro 2. On se lève. Tunnel numéro 3. On adore les tunnels. Et on va aller mettre les deux Cogwheels en espérant qu'il y ait la clé, hein. Sinon je ne sais pas du tout où c'est. Tac, le deuxième, il est là. Youpi, merci. C'est le spark plug, on est content, content. Alors il faut que je trouve le steak. Ça veut dire que c'est l'araignée qui l'a. D'accord. Non mais je vais trouver le steak, vous inquiétez pas. J'ai pas tout vu dans la cuisine. Là il est pas là. Alors. Non, 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 non. Non, non. 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 Pas de steak en vue. Là. Il me semble qu'il n'y avait pas de steak. Je vais reprendre quand même le... Le shotgun. Ah non, le shotgun, il est en bas. Zut, zut, zut. Où est-ce qu'on n'a pas regardé pour avoir le steak? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Attendez, je vais remonter. Je ne peux pas remonter. Je vais remonter quand même. Voilà. Voilà. On va fouiller un peu partout, hein. J'ai besoin du steak, là. I need a steak. I need a steak, please. Non, il n'y a rien. On va aller voir là-bas. Là, il n'y avait pas de steak. Ça veut dire qu'il va être dans les trucs de... Attendez, attendez. Je vais casser Granny. Si,
Si. Avec ça. Granny. You. Yala. Voilà. Et hop. Allez, viens. Viens. Oui. On a cassé Granny. Allez, hop. Une minute, c'est pas long, mais au moins je suis tranquille. Pas de steak ici. Pardon les bouts de Granny. Pardon. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je suis là. Là, y a rien. C'était pas là? Non. Bah alors, il est dans les égouts. Super, je suis joie. Je veux devoir aller dans les égouts pour trouver le steak. Tout ça pour récupérer la clé qui me manque. Non, mais c'est une blagounette. Une grosse blagounette. Bon, je pense vraiment que c'est là-bas. Hein. J'ai tout observé partout ici. Bon, bah on y va. Allez, c'est parti. Go to the égout. Voilà. Par là. Je vais quand même rouvrir pour être sûr. Bon. Allez, juste parce que t'es gentil. Non. Voilà. Pourquoi il n'était pas là, simplement posé ici? Pourquoi il faut que j'aille galérer dans les égouts pour trouver un steak moisi? Pouf, voilà. Hop. On se baisse. On y va. C'est la grosse chute à chaque fois. Hein. Allez, on va trouver le steak. Il a intérêt à être là. Hein. Faut que je fasse toutes les petites portes là. Ok, là. Là, il n'y a rien. Là en haut. Je vais aller voir en haut parce que regardez, il y a une petite... ici. Oh oh, je suis très content, je l'ai. Et en plus, je suis ici. Donc ça, c'est bien. Allez, on va donner le steak à l'araignée. C'est parti, c'est y part. J'espère que Granny va pas venir. Voilà. Oh, coco, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Allez, go. Cette fois, tu me donnes la clé. Tu me donnes la clé, l'araignée. Je veux rien savoir. Voilà. Allez, hop. Merci bien. Tac. Bien mangé. Voilà. Et on a... Oui. La Rusty Padlock. Je vais attendre ici, hein. Regardez. En même temps, ça fait sens. C'est une araignée qui me donne la clé. Je peux y aller ou pas? C'était risqué, mais il me reste une vie, donc on va récupérer la clé et on va partir d'ici, c'est parti! Jour numéro 4, attention, il reste plus beaucoup de vie. Donc, soyons quand même vigilants. Même s'il reste à mon avis pas beaucoup de choses à faire, on a fait beaucoup de choses. Là, d'accord, voilà, allez, on va directement récupérer la clé. C'est parti. Ok. C'est bien. Go. Là. Ah, elle était là. Ok, non, lève-toi. Ok, lève-toi. On y va. Je veux rien savoir, on y va. Piège, on évite. Go, c'est bon. En tout cas, on se fera pas attraper par Granny. Merci, bye, boum. Bien. On redescend par là. Tac. Ok. Le pauvre, il souffre entre les chutes, les couloirs, les araignées, les coups de Granny, se faire manger par l'autre. Mais bon, hein, j'espère que tout ça ne sera pas fait en vain. Allez, attention. Ok. Doucement quand même. Oh, c'est là. C'est là, oui. Dites-moi que c'est ça. Oui. Ouvre. Oh, liberté. Wow, on a gagné. Oh. Bonjour, Granny. Ah, tu rampes? T'es venu ici, hein? Ouais. T'es pas contente parce qu'Angeline, elle a pas surveillé l'entrée. Elle va se faire punir, Angeline. Elle va se faire disputer. Bon appétit.
Yes, on a terminé ce nouveau chapitre de Granny. Non, cette nouvelle sortie, cette nouvelle mise à jour, c'était génial. Mais vraiment flippant. Hein. Ça, c'est une énorme mise à jour comme on les aime. Bravo aux créateurs de continuer à développer sur ces jeux, même assez vieux. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez peur des araignées, n'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins à l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Le mot mystère à mettre dans les commentaires est... égout. Les égouts dans lesquels on était. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.